dit, c'est CARICOM. Moi-même, personnellement, nous, elle m'a parlé de CPA, moi, dit Conseil présidentiel CARICOM. Moi, il y a des acteurs qui ont même rétorqué pour dire que non, ce n'est pas CARICOM qui a imposé la proposition. C'est eux-mêmes entre eux qui discutaient, qui adoptaient. Par contre, vous attendez, professeur André Lafontaine-Joseph hier de la Comondana. Parce qu'il sentit que Lyon Tijan vexant, là, on a dit que c'est CARICOM qui a imposé ça. Il dit que c'est eux-mêmes au niveau des acteurs qui discutaient, étant donné que la majorité opposition était un point de similitude qui est le conseil présidentiel là, il y a eu entendu sous ça. Et nous autres, nous croyons que si c'est à ça, c'est aussi grave et même plus grave même que si c'est à CARICOM qui est posé. Pas le dire ça. Je dis à moins tard, mais qu'on est personnellement, qui sa argumentation acteur oui? Qui sa acteur oui, comme argument pour convaincre le pays, pour convaincre l'international là, pour dire dans la situation là, meilleur choix, puis bonne formule qui a été sortie, c'est la mise en place et l'installation de conseils présidentiels à 7, 8, 9 membres, quel que soit le chiffre que vous voulez. Nous autres, nous avons remis comme ça. Qui sa argumentation oui? Argument oui? Nous avons remis comme ça. Qui explication vous avez? Qui dit, ok, là où fin fait toute considération, là où fin garde tout paramètre, yo, yo rend yo à l'évidence, puis bon formule pour sortir pays à dans ça, c'est un conseil présidentiel à X membres. Même dans les mêmes acteurs qui ont participé dans la rencontre avec CARICOM, qui ont avancé comme élément. Deuxième bagage, autant de au niveau de certains regroupements, il y a des palais en pile, qui ont fait un paquet de structures qui voulaient, c'est eux-mêmes qui pour orienter le choix. Et nous dit, si vous n'arrivez pas à entendre, vous avez une implosion. Il y a un groupement qui a crasé. Et depuis que vous crasez, pas étonné que vous avez une défection dans les jours à venir. Ou dans les heures qui suivent. Défection, vous avez dit, vous avez des groupes qui décident de dire vous-même, vous n'avez pas le conseil présidentiel encore, vous crasez ça. Donc, automatiquement, vous avez une défection, ça capable de fragiliser le processus de mise en place et d'installation du conseil présidentiel de la CARICOM. Troisième élément. Information qui vient de nous dire. L'international t'a souhaité que, au plus tard, vendredi, pour le conseil ait été constitué. Au plus tard, ce vendredi. Mais quand il y a là, on dit pour un réseau et pour un autre, tout regroupement est arrivé en tant que sous le nord. Ils ont monté le conseil là. Quid de l'installation du conseil. Nous avons parlé ça avec Javinel Kaseyus, journaliste, ancien collègue de nous ici. Il a dit oui, mettez le conseil là quand PCYON. Mais arriver faire l'installation l'autre parce que Jodia pays a gonja le configurer surtout avec le paramètre des gangs armés. D'ailleurs sous temps des porte-parole vivant ensemble Jimmy Cherizier, yo dit yo pas reconnaître ça qu'a fait au niveau du CARICOM là. Yo pas reconnaître tout gouvernement qui va monter avec question CARICOM, yo pas reconnaître démarche CARICOM. Donc et dans document officiel CARICOM là, à aucun moment yo pas considéré nèg examen yo. À aucun moment yo pas parler de nèg examen yo. Est-ce que c'est un choix ou bien tout, il y a de l'autre bagaille officieusement que vous entreprendre pour gérer question ça, nous autres nous pas connaître. Mais nous remarquer on va parler de yo. Et quand vous voulez ou pas jodia, yo c'est un paramètre à considérer. Parce que yo gen zam, c'est yo camper pays, c'est yo bloquer pays, c'est yo même qui fait tout ce qu'on est fait de jeudi 29 jusqu'à jodia, de quel que soit ça qu'a chercher comme solution ou pas capable considérer yo. Considérer comment? Ou bien doit décider dit ou va la bataille contre yo. Ou bien doit décider dit ou va le gouma avec ou faire rentrer. Ou bien doit décider dit ou va mener des opérations. Ou soit doit décider dit ou va parler avec tout. Tout dépend de qui ça formule mieux. Ou doit décider dit ou va parler avec. Parler avec maintenant pour dire qui ça. Et ça faut ouais, bon pas que pas parler, parler de négociations, parler de ceci, parler de cela. Mais que vous voulez ou pas, quel que soit jour décider aborder, jodi a ou pas cap chercher solution, sont pas considérés nèg examen. Ça va gagner débat sur lui. Gagne monde doit faire hypocrisie a. Il doit pas vle dil. Et nous bien dire oui. Considérer ou pas vle dire ou obligé dire yo, tande nous vini non et ti chéri doudou, vini nous faire la route ensemble, il pas obligé ça. Considérer ou vle dire ko gen doit bataille contre tout. L'autre élément qui est important. On dit maintenant conseil présidentiel arrivé monter.
li rive installé. Mais m'a regardé document CARICOM, nan pa konnen si acteur gagne nan men yo et s'il était public, moi même certain comme journaliste n'ta konnen qui sa mécanisme de fonctionnement yo avye. À part de présidence dan yo dit que c'est conseil la k'ap réuni entre yo k'ap vote un président par consensus ou bien par vote. À part de décision yo dit k'ap prend sous base majorité, vote etc. Yo pas dit comment conseil ça lui-même pral fonctionner. Comme yo dit qu'on y a l'idée détenir de pouvoir présidentiel spécifique au regard de des lois haïtiennes, c'est à dire dit tout ça un président jouit comme privilège, c'est tout membre conseil yo qui pral jouir privilège ça yo, ou bien c'est le président du conseil présidentiel qui lui-même pral jouir privilège en président de la République. Pas rien qui clair sur ça yo. Est-ce que c'est salaire y a bien? Est-ce qu'il y a bien des frais qui ça privilège yo à pied comme c'est 7 membres non conseil et puis 2 observateurs fait 9. Est-ce que tout 9 moun sa yo même yo pral installer au niveau de palais national? Est-ce que yo chaque a bon bureau? Est-ce que yo chaque a bon équipe qui travaille avec yo, a bien secrétariat? Est-ce que yo chaque a bien des conseillers? Est-ce que yo chaque ça yo pas clair? Jusqu'à présent nous dans stade spéculation, tout le monde a parlé. Ni moi ni ou pas connait. On nous dit que qu'on aller vite et bien. Mais si nous aller vite et bien, faut qu'il y ait des bagages qui préalablement définis qui pas poser problème puis devant. Parce que où est ça yo? Si depuis en l'argan, nous pas gain connait yo, nous tant c'est les conseils fin monter. Si les conseils fin installer, il pral poser des gros problèmes à l'interne. Pral gain des gros batailles à l'interne pour leadership, pour prendre contrôle CP ou bien tout pour décider dire mais comment y a orienter ba yo. Ou bien est-ce que c'est parce que vous optez pour le pire et puis vous voyez dans la bataille parce que vous ne pouvez jamais entendre nous qui fait vous dites à supporter ça pour avancer avec ça. Ou bien tout, est-ce que ce n'est pas un ballon d'essai? Est-ce que ce n'est pas un plan A? Ça peut arriver que les États-Unis, le Canada, la France, ensemble avec CARICOM, vous avez l'autre zèle 4 dans la poche. Mais vous dites, vous essayez ça avec nous. S'il passe, il passe, mais vous avez connu, nous ne pouvons jamais entendre nous livrer. Il n'y a pas besoin de fonctionner. Pour ne pas dire, il n'y a pas de préparation en considération, puisque en plein nous faisons proposition, il y a une avancée avec le collège présidentiel. Mais si vous regardez ça pas marcher, vous doit décider de venir avec Zelka Paiwa. Je dis, bon, ça comme ça arrive, nous essayons pas de pas marcher, bon, nous essayons pas international. Là. Nous avons comme ça. Nous n'avons pas dit que c'est ça lié. Mais nous avons comme ça. Parce que je dis à la nous, douter fort, on paye tant pour les États-Unis, on paye tant pour. Et Canada, la France, t'as rentré dans une dynamique pour yo soutenir une proposition. Ça n'a pas ni rentré ni sauté. Ça n'a pas ni tête ni pied. Probablement, yo a un plan. Yo a un plan. Et m'a ajouté, yo a plusieurs plans. Si ça n'a pas marché, il y a ça. Et tout le est planifié. Donc, c'est un peu ça. Bon, dans l'intervalle, guerrier, je dis à. Pendant qu'on a parlé de café, ça qui semble être ma. Quand on a parlé de café ça qui semble qu'à coquer dans gorge pays qui c'est café CPA, on t'a même posé la question ça qui est au commande le gouvernement ça clair, est-ce que c'est Boisvert qui est toujours chef dans l'intervalle, est-ce que c'est Ariel Henry qui a annoncé l'appliquité des affaires courantes jusqu'à la mise en place et l'installation du conseil présidentiel et d'un premier ministre à intérim? Et si c'est Ariel, est-ce qu'il y a Ariel dans le pays déjà guerrier ou on a une information passée? Est-ce que c'est à distance l'appliqué de les affaires pour autant ou bien c'est Michel Patrick Boisvert? C'est Boisvert qui est toujours là. Il est toujours là, oui. Mais pour il n'a pas de temps. PM n'a pas de temps. Donc, il n'a pas de temps l'intérêt. Non, il n'est pas là. Si PM n'a pas là. Donc, et d'ailleurs, ouais, déclaration le fait, c'est vrai, il dit gouvernement là. OK? Mais, à chaque fois, il est en déplacement, c'est un ministre qui remplace elle. Et, dernière fois, il voyage là, c'est Boisvert. Donc, il n'y a pas de décision changée. Hein? Et si PM n'a par exemple arrivé qu'elle pas rentré du tout dans le pays, c'est Boisvert qui a pas fait passation. Il y a un monde qui proche après 21 décembre qui dit tous les deux papiers déclaration patrimoine vérification gagné dans mail Martin l'a présenté au bail la presse. Oui, mais ça pas empêché que il était sous liste 44 yeah, députés ou bien anciens parlementaires ULCC était demandé. Bon, peut-être comme tu gagné des failles dans le document ça, pas arrivé que le problème pas monsieur été résolu. Mais il était dans l'islam. En tout cas, guerrier Dieu seul, Adjani Oximab Saint-Fleur, si nous pouvons tout ça qu'a dit autour du conseil présidentiel là, solution
reprise là-bas pour demain. Bon, à moins que tu aies un dépassement, vraiment dépassement, bon, tu as miraculeux dans les yeux. Parce que mon qualité a tout à fait politique depuis 30 à 40 dernières années dans le pays. Et c'est là. Nous connaissons qui est sûr. Nous connaissons qui est sûr. Je ne comment nous possible là. J'aime te dire hier, non, tout forcément, personnel. Pourquoi est-ce que c'est le pays qui va bénéficier de tout ça? Il y a des gens qui peuvent le dire. On dit que c'est le président CPA qui a un véritable pouvoir. Alors pensez, l'autre 6 membres qui ont même sorti dans des groupements différents, qui ont une idéologie, qui ont un projet, qui ont un agenda. Vous pensez que vous avez croisé, vous avez gardé le président comme ça. Pas étonné, vous avez un profil qui doit le mettre tout. Pas étonné, vous avez une bataille pour le leadership qui va le mettre dedans. Chaque monde va le laisser, vous-même qui pour contrôler le président CPA. Et puis, le temps va le passer. Par contre, vous comprenez, ils ont glissé pour finir en bas de l'autre. Et puis, ils ont dit à Zimpété, c'est qu'ils doivent raser tout, qu'ils doivent paralyser. Pour choix pour le ministre dans la guerre de Zel. Pour choix pour le ministre. Ils ont dit dans le document CARICOM, c'est le conseil présidentiel qui peut le gagner pour sélectionner, qui peut le gagner pour nommer un premier ministre par intérim. Mais ils n'ont pas dit tout, c'est un mécanisme de choix à pied, de sélection à pied. Est-ce que c'est sous base majorité dans le conseil d'Algal fait tout, même là encore, il y a un problème. Parce que chaque groupe qui représente dans le conseil là, pour aller au même, sous une forme ou sous une autre, pour influencer le choix pour le ministre par intérim. Chaque pour aller son monde qui est plus proche, yo, qui pour venir premier ministre. Et de pour entrer dans la démarche ça, puisque nous faisons expérience déjà, ou pour aller rentrer dans la logique, perdre du temps encore. Et là, on a perdu du temps, il est évident que plus gros perdant, c'est pour le pays. Donc si ça fait que les gens qui croient tout, si CP ça t'arrive pas, s'il t'arrive installé, nous partons là pour plusieurs années de crise encore. L'un considéré qualité acteur, nous gagnons, pour faire politique ici. Par contre, vous comprenez. Moi, j'ai des gens qui prennent un exemple, il y a ma parole avec un magistrat qui parle de ça, et moi, je suis sur le réseau à tout. Où est l'expérience cartel municipal? Comment ça a toujours fini? Moun yo bata ensemble, yo doit faire campagne ensemble, yo gouman ensemble, yo passe mise ensemble. Yo va ka diriger ensemble. Yo voup. Yo installé, yo élu, yo installé là, yo va ka diriger ensemble non. Magistrat ou bien maire principal là, getan prend c'est lui-même qui tout bail là, li écarté assesseur yo, assesseur même yo doit décider de dire qu'il y a piégé monsieur, yo fait de l'autre bagaille. Yo dit pas un problème yo même, yo font bail qui mal yo sorti l'aide, mais c'est le cartel qui a sorti l'aide, c'est magistrat qui a sorti l'aide. Ça fait ça que dit nous qu'on y a là avec 7 membres, 7 groupes différents, 7 idéologies différentes, 7 agendas différents. Pas pour aller une grosse bataille comme ça dans ces pays là. Qui garantit que nous sommes capables de fonctionner en toute harmonie, en toute cohérence. Est-ce que là ne va pas partir là pour plusieurs mois ou bien années de crise? On peut dire que c'est aussi facile. Ils voient un nom, ils constituent, ils installent, ils mettent, ils n'ont pas le national, ils choisissent le premier ministre. Il va avancer. Vous pensez que c'est facile comme ça? Bon, l'autre réalité encore, chaque monde qui est dans le conseil là, il va gagner des groupes qui ont supporté et puis qui ont sollicité pour demander un job dans le niveau de l'administration publique. Non, mais son administration publique qui parle craser, oui. Il va le craser. Il y a chaque peut-être dans le représentant. C'est pas le désordre total. Pour les gens qui te représentent, il y a des gens qui ont besoin de job. Il y a chaque bataille pour contrôler une série de secteur dans l'administration publique là, on sait de partie dans l'administration publique là, c'est vous mettez mon là, vous poussez ci, vous poussez là. On va voir comment ça va faire fonctionner ça non. Comme on va voir clair. Bah ouais ça. Bah ouais ça. Crise pire. On y a là pour qui ça c'est option ça, acteur mettez-vous d'accord sur lui. Pour qui ça c'est option ça, la CARICOM ou bien l'international dans son ensemble. Choisi. Est-ce que c'est parce que qu'on est pertinemment ça capable de mettre une nabre toute couleur dans la SCP, ça souffle les mbawe. Mbawe clair. Mbawe clair. Mbawe clair. Napton, qui ça va venir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais en tout temps, le peuple a souffert. Tout le problème a été, même gens, ils viennent à pire, disons. Par un médicament, l'hôpital en difficulté, l'école fermée, l'État au fermé,
qui reste gouvernement, Michel Patrick Boisvert n'a pas parlé là, nous c'est le bail d'hiver. Communiquer pour vous préfet, renouveler, déclaration état d'urgence, et ça c'est le bail d'hiver. Pour qu'il y ait des décisions, oui, ça Michel Patrick Boisvert. Bon, même les décisions limitées comme le Premier ministre. Ah, il met. Vous voyez son gouvernement qui a fonctionné. C'est bien gouvernement. Entre tout. Donc, je suis dans le gouvernement, je suis quitté dehors et tout. Si vous voulez, vous voulez parler de ministre environnement, vous voulez parler de ministre communication, ministre communication, ministre culture et communication. Hein? Yeah. Ok. En tout cas. En tout cas, nous prenons un paquet de bagailles là. Moi-même, l'idée pas que je ne vais pas changer. Depuis ces bagailles, je ne vais pas répéter mot là où il y a. Mais nous avons un bagaille présidentiel ça. Pas qu'un garantie que le balbout a rien pour veiller. Vous comprenez? Vous avez une bataille pour le job là. Vous avez poussé ici, vous avez poussé là. Vous avez contrôlé le CP, vous avez un CP pour influencer le pour vous. Vous avez une crise. Nous tous avons une folie, chef. Eh bien, blabla nous, chef. Blabla nous, chef. Ok. Ouais, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Johnny. Écoutez, je souhaite rappeler là. Donc, pendant. Petite de Saline, rien de seul. Moïse Ossal t'a dû bailler aux conférences matin là. Est-ce que le pral prend distance avec résolution CARICOM? Ou bien est-ce que le pral dit après tout calcul qu'il fait, la pour rejoindre train CARICOM? Nous vous connaissons. Mais comme journaliste nous-mêmes, information qui arrive joindre nous, il y a une forte chance pour que l'équipe Moïse Ossal là lui-même. Li prend distance li avec des matchs CARICOM. Mais pour l'histoire et pour la vérité, CARICOM parle avec Moïse Jean-Charles. Et pour l'histoire et pour la vérité, il y a des représentants, yo, les m'a parlé de yo, petite Desalines réveil au niveau de discussion avec CARICOM. Et pour l'histoire et pour la vérité, nous apprenons que représentant yo te bay garanti que y a voyé moun nan conseil là. Cependant, on sous proche Moïse Jean-Charles dit nous que dans échange que Moïse te gagne avec monsieur dame ou bien monsieur CARICOM yo, c'est que yo te bay CARICOM document par yo qui parlait d'un conseil de transition bien présidentiel pardon avec trois membres à savoir juge Durin Duret Junior qui représentait la cour d'appel au niveau du CSPJ, ancien sénateur Guy Philippe, et puis Madame Saint-Villiers. Eh bien, selon sa source, nous, bon nous, dans l'échange qui était entre CARICOM avec l'équipe Moïse Jean-Charles, là, c'était plus un partage d'informations. Ils soumettent des documents par loi à CARICOM, ils expliquent CARICOM 1, 2, 3, 4, mais pour qui ça c'est là où vous voulez aller. Et vous dites, mais pour qui ça vous pensez, solution ça capable d'aider le pays à sortir dans le trou lié là. Mais ça, sous la rapporte, me dit, l'international, notamment Blanc CARICOM, vous exprimé un certain réserve sous démarche et Moïse Jean-Charles avec l'équipe privée nationale là, pour présence Guy Philippe. Parce que plus gros le mieux gagné, c'est Guy Philippe qui est dans le conseil là. Non, ça, sous la dîne. Maintenant, comment Moïse Jean-Charles est associé avec le réveil national que nous pas ouais d'ailleurs dans le document officiel CARICOM là, ça veut dire qu'il prouvé effectivement qu'il y a un problème avec l'équipe ça. Donc comme Moïse Jean-Charles lui-même te gagne fait alliance avec yo, est-ce que si Moïse Jean-Charles t'a décidé à le rejoindre CARICOM, il pas considéré comme une trahison? Trahison en ce sens que il était déjà chita avec ensemble deux structures dont Réveil National et l'autre organisation, ils ont signé un document ensemble qui dit eux-mêmes, mais qui côté ils pralé et que son conseil présidentiel avec Guy Philippe, ils pralé installé au niveau du palais. Voilà que jodi a eu petite Desalines, qu'on y a non démarche de CARICOM pour un conseil présidentiel. Donc, je pense, on est d'accord avec Jean-Charles, il trouve l'antisouillé, il non dilemme. S'il voyait un monde dans le conseil là, d'abord, la est incohérent, mais ensuite, tout, la très mal vu. Par l'équipe de Guy Philippe ensemble avec tout l'autre monde qui est signé avec lui. Il n'y a pas bien l'autre choix. Et qu'on y a là, pour le dire, soit arrêter de dire animal dans ma lettre, c'est juste arrêter avec l'équipe ça,
que yo échoué ensemble, qu'il y ait possibilité pour réussir, mais au moins il était conséquent à tête, il était cohérent avec tête li, lui au moins il était solidaire avec équipe rivière nationale là, avec équipe qui était signé document ça avec yo. Donc cela sous-entend chance pour petite de Saline ta voyer en représentant au niveau du conseil présidentiel de la CARICOM, il est très minime. Très très minime. Connaît-il par exemple pour Montana? Montana gagne ti parle en pile, gagne ti ego. On va parler Montana dans tout ensemble non? Moi parler avec des acteurs qui très proches Montana et qui même impliqué dans question accord 30 août 2021 qui ont même estimé bagaille pas fin trop clair ou senti une certaine hésitation. Surtout dans proposition conseil présidentiel yo, c'est papa Montana qui passé. Ça passé a plus semblé avec ça Claude de proposé. Donc il y a des acteurs qui senti son soufflette. Bien dit c'est pas Montana dans son ensemble. Qui estimé que yo pensé pas yo plus potable. Yo pensé que pas yo était plus sensé. On y a là yo dit tête yo est-ce que yo obligé à avancer ou pas. Cependant gagnent en grande partie qui ont même décidé à avancer avec Fritz Alphonse Jean, l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Même là encore, il y a des gens qui n'ont pas au niveau Montana qui ont des problèmes avec choix Fritz Alphonse Jean. Est-ce que c'est parce que ils ont gagné en monnaie poche ou bien ils ont gagné de l'autre problème personnel que nous autres nous ignorons jusqu'à présent. Nous ne savons pas. Mais information nous disposée au niveau de Montana, choix Fritz Jean pas fait unanimité. Il y a des gens qui étaient souhaités son l'autre monde en lieu place de Fritz Jean. Oui, mais donné ou changé. Les Fritz Jean étaient président dans l'élection et ils étaient faits au niveau de Agro Montana. Donc, pas qu'il y ait de la part là encore. Pour songer, il y a un premier ministre, Steven Evanson Benoit, qui après, après la distance, bon, ça va dire qu'il a quitté Montana. Et définitivement, vous comprenez, puisque le pas de deal. Mais le deal font retrait et retrait. Politiquement, je dit, ça le vle dit. Ok? Devant le groupe groupe en septembre, c'est l'équipe SDPA. Parce que quand il y a qui est en joint ministère, qui est en joint direction générale, qui est en frappé dans de l'autre organisme d'administration publique là. Donc, il y a une certaine frustration qui vient faire que, à quoi 21 décembre, s'il n'y a pas de temps au bord, s'il n'y a pas au bord d'une implosion, on est dans l'implosion même. Si bien que je vous dis, il y a deux groupes. Il y a un groupe majoritaire. Bon groupe minoritaire et information qui vient joindre jusqu'à hier soir groupe minoritaire là gagne la donne André Michel Eko et groupe majoritaire là gagne la donne monsieur Toutounio avec de l'autre parti aligné et c'est groupe majoritaire là qui fait choix de ancien député de Tiot là donc c'est Vickerson Garnier pour le représenter au niveau du conseil présidentiel là l'autre équipe là te dit non faut que discuter faut que bagaille etc. Mais heureusement rencontre dans ces là m'a pas ajouté lui. Heureusement rencontre dans ces sous Zoom l'étape fait. Mais gars les il t'a fait en présentiel t'ai gagne coup de chaise qui tiré. Georges Bien Baptiste à André Michel de Gédoire marché pour être là. Je dis c'est Sorel Jacinthe qui est obligé intervenir qui dit non ou là nous pas droit discuter des bagarres à l'interne sur place publique, n'agir ça à l'interne etc. Je dis jusqu'à hier soir tu de rencontre qui fait à distance. Et pour discuter autour de choix, parce que André Michel, on est son acte de débat qui devait avancer des arguments pour essayer d'être capable d'influencer et choix dans l'autre sens. Mais jusqu'à minute, on a parlé là, c'est le groupe majoritaire là qui décide au niveau de l'accord du 21 décembre et le monde qui a dû le représenter dans le conseil présidentiel, car comme là, c'est Vickerson Garnier, l'ancien député de Tiot. Oui, qui a dit que tu as un petit problème technique. Hein? Là, on dit problème technique là. Technique, est-ce qu'il parle qu'on avait un critère? Parce que ULCC est dans liste autorité, nous sommes ULCC était sorti pour dire qu'il va faire déclaration patrimoine. Donc, M. Deladan. Oui, mais qu'on y a là, est-ce que. Dossier devant juge. Devant devant juge. Oui. Non, c'est le gars qui a des problèmes. Oui, sous garde des critères carré comme il y a des problèmes. Il ne faut pas faire objet d'aucune accusation. Oui. C'est le premier critère là. Il ne faut pas inculper ou bien il ne faut pas faire objet d'aucune accusation. Maman mal vérifié ça avec Eli Loveus et qui lui-même se correspond à nous, puisque nous connaissons M. C. des anciens députés de Tchot.
et dossier était devant était nommé doyen tribunal pour l'instant Jacques Mellon qui lui-même t'a bien pour choisir un juge et pour être capable d'étendre dossier ça donc il l'avait eu donc 2 août 2021 à jeudi à c'est certaines données ont changé pour Mondana parce qu'on pas quelque monde qui était dans jeunesse Mondana qui jeudi à c'est des dissidents qui a fait l'autre bagaille donc on a tout des monde qui est à distance mais qui quand même est attaché avec l'idée Mondana mais comme yo estimé bon bagaille qui a fait yo pas forcément maîtrisé yo prend distance là quand même. Mais qu'on y a avec cette question de vous représentant au niveau du conseil présidentiel donc c'est certain on est d'accord gagner de l'autre monde qui au même te souhaité et c'est tel monde en lieu place de tel autre monde mais comme ça tout bon parti qui peut te bouer des frites. Mais qu'on y a là par rapport à tout ça yo est-ce que Montana sous route pour les choisir définitivement Fridja, nous pourrons dire ça. Est-ce qu'il a choisi déjà, nous pourrons dire ça. Mais jusqu'à présent, à moins que tu as dévoilé l'autre nom pendant la journée, mais jusqu'à présent, c'est non Fridja qui sonnait plus au niveau de Montana. Qui sa réalité est par exemple pour collectif, pas collectif, Andibito accord 21 décembre 2022 à guerre. Pendant nous sous accord 21 décembre, bon bah on oublié dit mon hier. Dans rencontre avec CARICOM dans guerrier, est-ce que tu connais un gros zinc pété entre équipe accord 21 décembre dans mitan yo? Dans mitan yo? Ah bon. Ah oui, c'est pas dans rencontre la fête là. Lundi dans mitan yo, moi plus parler de parti non aligné qui vient joindre monsieur dame en septembre qui était déjà signé un premier accord avec Ariel Henry et qui t'a prêt à signer deuxième accord ça, nous songeons ça en décembre 2022. Eh bien, m'a cité là, Joshua Jean-Baptiste avec André Michel Eko, un certain deux mouns ou bien deux groupes mouns ou pas mouton cheval à deux, non? Pourtant, yo tous les deux, t'es dans accord 21 décembre, c'était des alliés sûrs du docteur Ariel Henry, c'était des défenseurs et de l'accord du 21 décembre. Nous doutons fort que dans le moment où on a parlé là, que deux groupes nous aillent. L'homme dit deux groupes nous aillent, on prend Josh Mijan-Baptiste, on prend Pascal Adrien et Claude Mounio, et puis on prend de l'autre côté André Michel, Marjorie Michel, Edmond Suplice Bozil, on prend Sorel Jacinthe. Nous doutons fort que deux groupes nous aillent, on cheval à deux. D'ailleurs, les pouchoirs faits, information privée joindre nous, fait nous connaître que André Michel dit bon, pour choisir un monde pour accord 21 décembre, il faut que parle à Premier ministre Ariel Henry, faut que le Premier ministre Ariel Henry, bah, disons. L'autre groupe a dit bon, il veut parler à Premier ministre, le Premier ministre va intéresser, etc. Gros discussion a fait, il dit que le groupe Josh Pascal là, accusé le groupe André Michel là, c'est eux-mêmes qui la cause que vous arrivez là. Au suivant, vous voulez expliquer que c'est peut-être dans fait PM, dans une équipe bêtise. Dans le PM, non série de conseils tête en bas, qui la cause nous arrive là. Pas arrivé de parce que depuis quelques temps, le groupe de Michel là est constitué tête en groupe hégémonique. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui pourraient le ton, c'est eux-mêmes qui maître du jeu. De pouvoir parler de l'accord 21 décembre. D'ailleurs, et ça m'a assumé, n'importe quel cas de matin, tu as une certaine frustration. Au niveau même de signataire à quoi 21 décembre. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous avons toujours dit ça dans l'émission avant. Nous avons espéré, après avoir fini de signer un document avec Ariel Henry en décembre 2022, tu as bien un remaniement qui t'a permis de pile dans le qui joue un job. Et année 2023 a fini, PM tombé là, ou bien sous route pour tomber là, il n'y a pas de monde qui signe à quoi qui dormit dehors. Bah ça frustré yo, et yo estimé son seul petit groupe qui joue PM nan, c'est groupe 11 septembre yo. Et qui est obligation pour tout haïtien bay et disons yo OK a on chasse ouvlé pour pays à retourner fonctionner normalement rentrer dans processus dialogue national là jeter s'ouvlé ça relé les bases d'une transition qui basée sur l'inclusion encourager participation toute partie pour nature et puis ouvrir route pour gagner élection dans le plus bref des délais, c'est seul chemin qui durable qui capable permettre qu'une débouché sous un avenir qui caractérisé par des institutions démocratiques fortes, une résolution pacifique
de conflit ak sécurité et puis prospérité pour tout haïtien. Voilà, moi t'ap essayé partager avec nous là bien ça qui dit dans document officiel CARICOM là concernant et rencontre qui t'ai gagné lundi yo, que ce soit avec les grands partenaires internationaux donc les États-Unis, la France, le Canada pour ne citer ça seulement, que ce soit avec les acteurs haïtiens. Alors j'en ai tout connel acteurs t'ai gagné un délai de 24 heures pour soumettre ensemble de noms qui t'a doué secteur potentiel. Si nous prenons en compte le rencontre CARICOM avec acteur Otefini qui c'est lundi soir aux environs de 11h. Donc hier mardi depuis 11h c'est certain délai 24 heures lui-même li écoulé. Et selon tout ça nous disposer comme information jusqu'à minute n'a parlé là CARICOM pour qu'on gagne aucun nom qu'elle joigne ni officiellement jusqu'à minute n'a parlé là. Donc ça veut dire délai a gagné écoulé. C'est dans prolongation nous là. Si on garde le comme ça nous engage football. Donc temps réglementaire là gagné fini. Maintenant, qui sa situation y est dans pays d'Haïti par rapport avec information qui arrive joindre nous pour plateforme résistance démocratique qui gagne là dans le RED et puis parti politique aidé et puis compromis historique. Nous apprenons jusqu'à hier soir, tu as gagné des rencontres qui t'a fait autour de choix une personnalité qui pourra le représenter groupe ça au niveau du conseil présidentiel. Choix les fait mais les pas officiel. Pour qui ça le pas officiel selon ça nous disposer comme information, c'est que gagné des partis, gagné des structures au niveau de regroupement ça qui dit faut y aller discuter ça avec Bazio. Pour c'est pas dans radio pour Bazio même à pas prendre que eh bien parti ou à structure ou à participer dans choix en représentant tel groupe alors que yo même yo pas au courant, yo pas de bail disons yo. Donc ouais, on rencontre qui t'a fait qui t'est obligé camper momentanément et yo bail rendez-vous pour retourner après pour aller discuter. Mais ça certain non qui probable jusqu'à minute n'a parlé là pour résistance démocratique RED et des compromis historiques c'est ancienne ministre condition à droit femme yo n'a parlé là de Marie Ghislaine mon premier. Donc si toute bagaille passe bien monde qui va le représenter groupe qui gagne là dans le Claude Joseph Ekoa dans le conseil présidentiel là c'est madame Marie Ghislaine mon premier. Pour le collectif 30 janvier 2023, choix beaucoup arrêté, mais sauf revirement ou bien sauf miracle, ben c'est moun qui t'a doué représenter structure ça dans le secteur, c'est t'a doué ancien sénateur Edgar Leblanc fils. Yofel. OK, bon, tout bagaille OK. D'après ça et guerrier Dim. Maintenant pour